Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment fonctionne Coinbase Wallet. Alors, la plateforme est simplement une plateforme de portefeuille de crypto-monnaie qui te permettra de pouvoir gérer et de mener des activités dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, sans plus tarder, là, tu pourras percevoir que sur la page d'accueil de Coinbase Wallet, tu as d'abord une option qui te permettra d'approvisionner ton portefeuille et d'obtenir des NFT gratuits en ajoutant des monnaies telles que Ethereum Magic et USDC. Donc, pour ce faire, tu vas juste cliquer là sur démarrer. Et là, tu auras juste à acheter, par exemple, une de ces crypto-monnaies ici et tu pourras obtenir des NFT gratuits pour pouvoir charger ton compte. Puis là, tout en haut, tu pourras percevoir l'icône de ton profil qui disposera des offres de ton portefeuille, qui te démontrera ton solde et qui te permettra de voir ton profil. Et tu pourras venir cliquer là sur ajouter et gérer portefeuille pour pouvoir ajouter des adresses, pour pouvoir créer un nouveau portefeuille, importer un portefeuille et afficher la phrase de récupération. Donc la phrase de récupération sera tout simplement une phrase qui te permettra de pouvoir récupérer ton compte dans le cas où tu perdrais ton téléphone ou bien qu'il y aura un souci qui te permettra de ne plus pouvoir te connecter à ton compte Coinbase Wallet depuis ce téléphone. Donc ensuite là, tu ressors, tu pourras percevoir la zone de ton solde qui disposera ton solde actuel. Puis là, tout en haut, tu pourras percevoir en haut à droite les options d'acheter. Déjà, l'option d'acheter te permettra de pouvoir acheter ou transférer des crypto-monnaies. Donc, Coinbase et Transact sont des services distincts qui te permettront de pouvoir acheter des crypto-monnaies pour approvisionner ton portefeuille. Donc, en cliquant là sur acheter ou transférer avec Transact, tu pourras percevoir que tu seras présenté tout plein de portefeuilles. Tu pourras percevoir que tu seras présenté tout plein de crypto-monnaies et tu auras juste à sélectionner basiquement la crypto-monnaie que je souhaiterais acheter pour pouvoir l'acheter et recharger ton compte avec. Donc, par exemple, si je veux acheter de l'Ethereum, je vais juste à venir cliquer là sur Ethereum et ensuite à insérer le nombre d'Ethereum que je souhaiterais avoir. Puis je vais juste cliquer sur continuer et là je vais confirmer l'achat en utilisant mes informations biométriques qui sont Face ID. Et là, si le nombre d'Ethereum que je vais acheter correspond au solde qu'il y a dans mon compte, ton solde sera crédité de la quantité d'argent que tu vas insérer, de la quantité d'argent qui vaudra le nombre d'Ethereum que tu achèteras et tu seras rechargé ton compte en Bitcoin et tu en disposeras. Donc ensuite, l'option de acheter avec Coinbase te permettra de pouvoir acheter directement avec la plateforme de Coinbase. Coinbase Wallet et Coinbase étant deux plateformes sœurs, tu pourras les relier directement et pouvoir avoir droit à plus d'options de transactions sur Coinbase. Donc, par exemple, en cliquant là sur transférer depuis Coinbase, tu seras redirigé immédiatement vers Coinbase si tu as téléchargé la plateforme sur ton téléphone, où tu auras droit à plus de fonctionnalités disponibles. Donc ensuite, tu peux aussi apercevoir l'option de recevoir qui te permettra de pouvoir recevoir de la crypto-monnaie ou bien de l'argent directement sur ton compte. Donc par exemple, pour pouvoir recevoir, tu peux apercevoir ton nom d'utilisateur que tu pourras partager aux autres utilisateurs qui puissent t'envoyer de l'argent directement tout simplement en entrant ton nom d'utilisateur ici. Pour le partager, tu vas juste appliquer là sur copier et il sera copié dans le presse-papier. Et une fois copié dans le presse-papier, basiquement, tu vas juste à le partager à la personne qui souhaite t'envoyer des formes pour que celui-ci puisse directement le faire. Et là, tu peux aussi apercevoir adresse Ethereum ou tout ce que tu vas faire sera d'utiliser le QR code. Donc, dispose de cette option. Ainsi, quelqu'un qui voudrait t'envoyer des Ethereum, par exemple, aura juste à scanner ce code QR ici que tu pourras apercevoir là. Et là, directement, il pourra transférer à partir de celui-ci. Puis tu peux aussi apercevoir adresse Bitcoin et adresse Solana qui disposent aussi de cette manière de transaction grâce au code QR. Puis là, sur autres actifs, tu peux apercevoir d'autres moyens de paiement tels que adresse Litecoin et adresse Dogecoin qui aussi disposent de codes tout simplement qui te permettront de pouvoir, que tu pourras partager pour pouvoir recevoir de l'argent aussi, les codes QR. Donc tout en haut maintenant, tu peux aussi apercevoir l'icône des notifications où tu pourras recevoir et apercevoir tous tes messages, tes invitations, tes notifications que tu auras aussi sur ton compte. Puis là, l'option de scanner le code QR te permettra de pouvoir scanner d'autres codes QR pour envoyer de l'argent là-dessus. Et là ensuite, tu peux aussi apercevoir la page de transaction qui sera tout en bas. Là sur transaction, tu peux avoir toutes les transactions que tu aurais effectuées sur Coinbase Wallet. Et là, sur navigation, tu pourras percevoir absolument plein d'options de navigation telles que des quêtes à récompenses élevées qui te permettront de pouvoir générer de l'argent sur la plateforme. Tu peux aussi approvisionner ton compte avec des offres d'NFT gratuits. Donc, basiquement, cette option de navigation, tu pourras naviguer à travers tout plein d'offres intéressantes. Là, sur explorer, tu pourras voir tout. Là, sur explorer, tu pourras percevoir que ce soit les monnaies, les coins, les NFT,
les actifs à suivre, les online spotlight et les capitalisations boursières utiles et à percevoir les taux de chacun. Pareil que la subcoin, tu devras traiter majoritairement avec les actifs et voir mieux les activités telles que le trading en utilisant les outils tels que les actifs les plus échangés pour voir ceux qui sont particulièrement en hausse actuellement. Là, sur NFT, tu pourras utiliser et apercevoir toutes les options d'NFT disponibles et apercevoir les marges à se faire là en utilisant les NFT. Puis là, dans paramètres, tu auras toutes tes options de personnalisation telles que ton mode simplifié, l'ajout et la modification des réseaux utiles, la configurer ta sécurité en changeant, personnalisant et en créant des sauvegardes de mots de passe. Changer ton affichage, c'est-à-dire changer le mode sombre, changer même tes devises, apercevoir ton solde et modifier ta langue. Tu pourras connecter Coinbase en cliquant là sur connecter voir Coinbase. Ainsi, les deux plateformes jumelées, tu auras droit à encore plus d'options disponibles. Puis là, sur notification, tu pourras insérer tes types de notifications et les préférences de notification. Et bien sûr, tu pourras te déconnecter de la plateforme simplement en cliquant là sur déconnecter dans la mesure où ce sera nécessaire. Donc, basiquement, grâce à toutes ces options, si la Coinbase Wallet est une très bonne plateforme pour pouvoir gérer tes activités et ton portefeuille de crypto-monnaie, ce sera aussi simple que ça.